Alors, l'Allemagne vient de faire quelque chose de très incompréhensible depuis un temps. Ils viennent de reprendre un système qui était à peine délaissé par les Britanniques. Vous savez, il y a à peine 2 mois, la Grande-Bretagne changeait le programme précédent du gouvernement, le programme des immigrants, des immigrés, des réfugiés. Le programme qui était adopté par la loi britannique, c'était le programme où on emmenait tous les immigrants, tous les immigrés, tous les demandeurs d'asile, pas dans leur pays natal, mais au Rwanda. Vous vous en souvenez? Le Rwanda avait signé un contrat avec la Grande-Bretagne où le Rwanda recevait des centaines de millions de dollars. En échange, il construirait des établissements, des bâtiments, des chambres, des appartements pour accueillir des demandeurs d'asile venant de l'Afrique et de l'Asie qui partaient demander illégalement asile en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, la Grande-Bretagne, souvent sollicitée par beaucoup de personnes, beaucoup de demandeurs d'asile, parce que la vie est belle apparemment là-bas, mieux qu'en Europe centrale, mieux que la France, mieux que l'Italie, mieux que l'Espagne. Le système social est un système très équilibré, un système très intéressant, qui attire beaucoup de demandeurs d'asile. Alors, le plan conservatif des Britanniques était d'envoyer les Africains et les Asiatiques au Rwanda, où ils bénéficieraient d'une formation et d'un domicile. Et avant cela, ce qui s'était passé, c'est que les Anglais sont d'abord partis au Ghana pour aller négocier, essayant de voir le président ghanéen. Il leur proposa une possibilité de pouvoir garder les immigrants africains et asiatiques au Ghana, moyennant quelques billets de pounds. Le Ghana dit, bon, écoutez, ce programme-ci, c'est vraiment pas le programme que nous voulons. Nous ne regardons pas cette direction-là. Ils sont ensuite partis au Kenya pour aller négocier, disant au Kenya, on a quelques millions de dollars pour vous. Écoutez, vous pouvez garder ces Africains et ces Asiatiques pour nous, pour pas qu'ils viennent remplir le Royaume-Uni. Le Kenya dit, c'est intéressant, mais alléchant soit-il, nous n'accepterons pas. Ils sont ensuite partis voir le Rwanda, où ils discutèrent encore une fois leur programme intelligent, d'après eux, macabre, d'après d'autres personnes. Le Rwanda dit, pour combien? Des centaines de millions de dollars? Ok. Quand est-ce que vous voulez le programme? Voilà. Le Rwanda accepta. Le Rwanda a commencé à établir des établissements, à construire, à bâtir des appartements pour accueillir ces personnes. Ils ont reçu de l'argent. Et pendant ce programme, il y a eu des débats, des combats, des résistances, des échanges. Et ça a été très compliqué dans le Royaume-Uni seulement, entre eux-mêmes, pour pouvoir accepter le programme qu'ils ont créé. Il y a eu des Human Rights Section, Commission des droits humains, qui étaient absolument contre ce programme. Et en fin de compte, à la fin du mandat, le nouveau gouvernement a refusé de continuer ce programme. Et l'a rejeté. Et je vous rappelle ici, le Rwanda dit très ouvertement, nous avons reçu l'argent venant de vous, mais nous ne remboursons pas. Nous ne comptons pas rembourser l'argent que nous avons reçu. Évidemment. Du Royaume-Uni a décidé que voilà, c'est fini, le traité n'est plus applicable. Le Rwanda constate la décision et la respecte. Il n'y a plus. Le Rwanda, comme je l'ai même expliqué, dès le départ, le Rwanda n'était pas demandeur. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que, voilà, que le traité a été mis. On a mis fin au traité que le Rwanda va devenir demandeur. On reste comme on est, on garde notre philosophie. S'il y a quelqu'un à aider, on va l'aider. S'il y a une autre proposition qui vient pour essayer de résoudre ce problème d'immigration, on participera, on négociera, on examinera. Si c'est intéressant, on le fera. Mais par rapport à ce qui a été décidé par le gouvernement anglais, je pense que c'est fini. Le Rwanda ne va rien faire pour essayer de refaire vivre ça. Comment rembourser ? Beaucoup de personnes qui accusaient le Rwanda disaient « Les Rwandais sont méchants. Comment ça se fait qu'ils peuvent faire ça ? Ils ont trahi l'Afrique. Les Ghanéens ont refusé cette offre indécente. Les Kenyans aussi refusé et rejeté. Comment ça se fait que le Rwanda accepte ?» Eh bien, je pourrais vous dire que le Rwanda a joué un jeu très intelligent. Checkmate, check and mat. Okay, ils savaient exactement que le mandat se terminera avant la fin de l'exécution de cette histoire. Ils ont accepté l'argent, ils ont reçu. Maintenant, ils ont des centaines de millions de dollars à dépenser comme ils veulent. En fin de compte, ils n'ont accueilli pas d'Africains ou voilà, n'ont trahi personne en les gardant de force en Afrique. Mais ont reçu l'argent qu'ils ne rembourseront pas. Maintenant, au nouveau gouvernement du Royaume-Uni, ils ont dit, donc le Labour Parti travailliste, ils ont dit qu'ils n'adopteraient pas ce programme pour immigrants, pour demandeurs d'asile. You campaign for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. Mais avec ça, 2 mois plus tard, les Allemands ont dit, eux, ils sont fatigués. Wir wollen Migrationspartnerschaften abschließen, in denen wir es besser hinkriegen, dass diejenigen, die zurückgehen müssen, weil sie hier nicht bleiben können, auch zurückgenommen werden. Das ist die größte Herausforderung in diesem Zusammenhang, dass wir das nicht ganz alleine in der Hand haben, sondern Partner finden müssen in der Welt, die uns helfen, unsere Ziele durchzusetzen. Aber das gelingt in großem Umfang und wird sich auch weiter fortsetzen. On sait qu'il y a beaucoup d'Africains en Allemagne, hein? On dit à peu près 1 million d'Africains vivent en Allemagne. C'est beaucoup. Vous n'aimez pas chez vous, pourquoi?
chez vous, disons que c'est un pays pourri. Pourquoi vous n'aimez même pas chez les voisins? Il y a certainement un pays en Afrique voisin où vous pouvez vivre, vous pouvez, voilà, faire quelque chose d'intelligent, de correct, qui s'avance. On comprend que chez vous, les gens ne les aiment pas. Ils sont méchants, jaloux, destructeurs, mais il y a quand même un voisin quelque part où vous pouvez progresser et vous créer une belle vie. Et puis, il faut dire que l'Europe, c'est plus que l'Europe était dans le passé. Dans les années 80, par exemple, les gens partaient en Europe et peu après pouvaient aider ceux qui étaient situés en Afrique. C'est-à-dire, on s'en souvient, ceux qui étaient en Europe aidaient facilement ceux qui étaient en Afrique, construisaient, développaient, avançaient. L'Europe de l'avant, c'était l'Europe des 80 qui était l'Europe qu'il fallait. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le système économique a changé, l'Afrique a grandi. Donc, votre impact en Europe n'est pas aussi palpable comme c'était dans le passé. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui progressent fructueusement en Afrique sans avoir été en Europe et ne rêvent même pas de partir en Europe. L'Europe, c'est seulement quoi? Aller prendre les trains, les bus, la tour Eiffel, montrer des photos, c'est tout. Mais sur le plan argent, écoutez, il y a des gens qui vivent en Afrique. Regardez vos collègues de classe qui ne sont pas partis, sont-ils en train de souffrir? Ils ne sont pas en train de souffrir. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, vous serez choqué de rentrer chez vous et voir comment les gens progressent. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne rentrent pas en Afrique, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont honte. Ils ont honte après 7 ans de voyage, retournant en Afrique, remarquant combien les autres ont progressé. Okay? Partons de la même ligne de départ. Comment ils ont avancé? Lui n'a pas beaucoup avancé. Voilà pourquoi les gens restent cramponnés en Europe, donnant une impression que bon, voilà, tout ça. C'est bien, l'Europe c'est bien, il faut y aller pour des raisons bien précises. Vous y partez pour étudier, d'accord. À la fin de vos études, vous cherchez comment vous déployer, soit pour améliorer votre pays ou un pays voisin africain, c'est génial. Vous voulez vous intégrer, d'accord, mais si comment tout le monde commence à s'intégrer, à un moment donné, le conservateur ne sera pas content. Vous commencez à crier au racisme, mais attendez, vous partez chez quelqu'un dans son pays, vous ne voulez pas travailler, vous voulez recevoir l'argent de social, l'argent de social qui vient des salaires, c'est-à-dire des taxes et des impôts tirés des comptes des bons travailleurs. Comment on va vous aimer? Non, imaginons chez vous dans votre pays. Okay, les gens d'un pays voisin ou d'un pays d'ailleurs, ou de l'Éthiopie, viennent chez vous comme réfugiés. Ou Bangladesh. Votre gouvernement désormais prendra quelque chose de votre salaire pour donner à ces gens-là, pour leur accorder une vie, des locations, des domiciles. Vous serez content. Vous ne serez pas content. Oh, racisme, racisme. Attendez, des fois, il faut comprendre les gens chez eux. Ils ont envie de vivre en paix. Et on pourrait comprendre encore une fois que votre pays, c'est un shit-all country. Parce qu'il y a des pays ici vraiment où moi, je ne vivrai plus jamais. Je ne pourrais même pas partir. Si je pars, c'est pour arriver à l'aéroport. C'est à moins qu'on me donne 100 000 dollars pour parler pendant une heure. Sinon, je ne pars pas. Il y a un pays voisin, là où ça marche, là où ça fonctionne. Là où on peut te propulser. Là où les gens ne sont pas sournoises comme chez vous. Surtout les francophones. Sournoiserie. Bon, c'est même pas tous les francophones. Hein. Les Africains sont très différents. Il y a des Bantous, il y a tout ça. Ils ne sont pas tous les mêmes. Bref. L'Allemagne vient d'adopter ce que l'Angleterre a rejeté. Comme procédure, ils vont procéder avec le Rwanda encore une fois. Et le Rwanda va gagner de l'argent, comme d'habitude. Et les gens vont encore critiquer une fois. Ils ont patati patata, ils ont trahi les Africains, mais en fin de compte, c'est eux qui gagnent. Voilà. Dans la vie, il faut savoir comment répartir ces éléments, ces outillages, ces choses importantes. Il ne faut pas être comme ça sans objectif dans la vie. Et il faut intelligemment savoir comment jouer pour son gain. Vous allez dans une entreprise, vous gagnez l'expérience et l'intelligence, vous bougez. Vous allez dans une autre entreprise, vous acceptez beaucoup de choses pourvu que vous gagnez l'argent que vous gagnez pour investir dans autre chose. Vous avancez. C'est comme ça dans la vie. Ensuite, vous commencez un truc à vous. C'est pas, oh, on m'a fait ça. Hey, moi, je ne peux pas accepter ça. Hey, il faut que je me respecte. Je ne peux pas tout ça. Mais tu as rien. 30 euros en banque. C'est ce que le Rwanda est en train de faire. Il gagne des centaines de millions de dollars. C'est vrai que le Rwanda n'est pas un pays naturellement riche. Il gagne de l'argent comme ça par des financements et commence à financer leur pays.